tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Son du Mur, le podcast de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence autour du Trône de Fer et de George Martin. Je suis John, et aujourd'hui je suis accompagné de Nymphadora. Salut. De Uther. Bonjour. Et de Eridan. Hello. Aujourd'hui, nous allons réfléchir collectivement à où vivre à Westeros. Donc on a défini, pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, une liste de critères, de catégories. Pour chaque critère, nos trois routards vont donner l'endroit ou les endroits éventuellement qui leur paraissent le mieux correspondre à ces critères. Donc, et ensuite, ils vont rapidement en débattre, décider de quel endroit gagne pour chaque critère, et on va faire comme ça. On va essayer de parcourir de façon un peu dynamique nos différentes... J'ai pas envie de redire critères encore une fois, mais je suis désolé, j'ai pas de synonyme, donc nos différents critères. Et à la fin, on verra s'il y a un endroit qui se dégage comme l'endroit où vivre à Westeros, et sinon, s'il n'y a pas d'endroit qui se dégage, bah, vous pourrez décider vous-même en fonction de ce qui est important ou non pour vous. Et pour commencer directement... On va commencer, donc j'ai fait un premier thème que j'ai regroupé sous une appellation très précise qui s'appelle tourisme. Vous en conviendrez, c'est très clair. Ce qui va être tous les endroits, en fait, tous les critères qui correspondent globalement à l'endroit lui-même, en faisant abstraction des gens qui y habitent, etc. Et premier critère dans ce thème-là, ça va être l'architecture. Donc l'architecture du lieu, du château, de l'endroit... donc un endroit où vivre pour l'architecture. Qu'est-ce que t'en penses, Nymphadora ? Alors, moi, j'avais deux choix. J'en ai un qui est les aériers, parce que quand même, l'architecture globale du château, ça pète. Et mon second choix, c'est Winterfell, parce que je donne des très bons points au concept de développement durable qu'ils utilisent dans la construction. Ils utilisent leurs sources chaudes pour chauffer tout le château, et ça, c'est quand même génial. Niveau développement durable, on ne fait pas mieux, donc voilà, bon point à Winterfell. Avec Winterfell, alors c'est... Oui, pour le développement durable, je veux bien. Pour l'architecture, ça va être un peu plus austère quand même. Je ne sais pas si c'est l'endroit où... Pour le tourisme, je ne sais pas si c'est l'endroit où j'irai le plus. Ouais, c'est un peu construit au fur et à mesure, on voit qu'il y a des tours carrées, des tours rondes, c'est des murs d'enceinte qui se recoupent, quand Bran il va de mur en mur, j'ai l'impression que c'est... J'aurais dit bordélique. Architecturalement, c'est quand même réfléchi, tu vois, ils ont pensé à chauffer grâce à leurs sources chaudes, ils ont leur bain chaud, là, excuse-moi, mais le bain chaud, ailleurs à Westeros, où je le trouve ? À Arenal. Avec Jamie et Brienne, youpi. Et t'as Jamie Lannister nu avec toi dans un bain chaud, franchement. Ouais, ok, c'est vrai, finalement. Allez, on oublie Winterfell. Puisque Winterfell est géré. Ouais, alors les aériers, c'est vrai que ça pète, je reconnais. Par contre, le fait que tu puisses pas y habiter en hiver, c'est un petit peu ballot quand même, tu vois, ça gâche quand même un peu le concept de l'architecture, je trouve, perso. Mais c'est vrai que, ouais, si on est juste sur l'architecture pure, je suis assez d'accord que c'est magnifique, ça passe pour un des deux plus beaux châteaux de Westeros. Moi, pour moi, l'autre, c'est au jardin, forcément. Au jardin, c'est juste trop beau, quoi. Puis au jardin, tu peux y vivre toute l'année, en plus. Exactement. Mais c'est vrai que d'un point de vue architecture, si tu veux juste faire du tourisme, parce qu'on a la catégorie de tourisme, si tu veux juste visiter, tu te dis, rien que pour la prouesse de la construction, je mettrais peut-être les aériers avant. Au final, tu vois, au début, je l'avais mis au jardin. Mais en y repensant, si tu dois visiter un seul château, tu te dis, il faut que je vois une seule construction de Westeros, est-ce que je ne commence pas par celle-là ? Ou Arenal, mais Arenal, c'est plus le côté historique de la chose. Bah moi, je m'interrogerais quand même aussi un petit peu avec Castral Rock, parce que c'est quand même un château qui est censé être pratiquement aussi grand qu'Arenal, et puis à moitié enterré, c'est quand même assez cool. Mais non, pour moi, enfin architecturalement parlant, celui qui pète tout, c'est au jardin, de toute façon. Au jardin, donc j'allais dire, on a un consensus sur les aériers, mais en fait, on n'a pas tout à fait un consensus. On a un 2 contre 1 aérier versus au jardin, pour l'architecture. Parce que, je rappelle, pour l'instant, on fait abstraction de...
la météo qui sera, attention, spoiler, un des prochains thèmes. Donc d'un point de vue météo pour le coup cette fois, vous choisiriez habiter où ? Eridan, du coup, t'avais l'air d'avoir plein d'avis. Clairement, Winterfell, il fait trop froid. Le Conflans, il pleut tout le temps. Les Aériens, c'est inhabitable en période hivernale. Port-Réal, ça pue. Partant de là, de toute façon, personne n'a envie de vivre à Port-Réal. Ouais, mais les Aériens, c'est inhabitable, d'accord, mais le Val en lui-même... Oui, bah d'accord, mais attends... Oui, c'est pas forcément inhabitable. Non, je suis désolé, moi, j'ai un château, c'est... Non, moi j'ai un château seigneurial, je suis désolé, j'ai envie de l'habiter toute l'année, quoi. Tu vois ? Enfin, toute l'année, enfin, quelques saisons. Non, mais tu vis dans la vallée. On parle pas forcément d'habiter. Les portes de la lune, ça va bien, mais c'est moche, quoi. Ça dépend, il y a des stations de ski, quelque chose là ? Ouais, bah oui, vas-y, va la faire, la pente de la lance du géant des Aériens jusqu'au Babou, tiens, tu parles. Non. Non, moi, pour moi, le seul endroit qui est habitable d'un point de vue météo, je suis désolé, j'ai informé dessus. Vous allez voir que ça va revenir souvent. C'est au jardin, hein. S'il y a un climat tempéré, même en hiver, il y fait à peu près bon vivre et il n'y a pas trop de neige. Là-dessus, en termes de météo, pour moi, c'est au jardin. Et puis, bon, à dehors, je suis désolé, mais il fait trop chaud, quelle que soit la période de l'année, alors. Alors, moi, j'avais quand même mis les jardins aquatiques de Dorne, qui profitent d'un petit microclimat où c'est plus tempéré. Donc, les jardins aquatiques à Dorne peuvent être une solution, mais moi sinon j'avais mis aussi au jardin, ou alors j'avais été super spécifique, j'avais décidé que je voulais aller à l'île de la Treille, donc qui est pas bien loin de qui est pas bien loin de au jardin, mais qui est donc sur une île, donc je me dis qu'en plus il y a des plages sympas, tu vois, en plein été, pour aller à la plage c'est sympa, puis t'as des petits villages côtiers, il y a des vignes, franchement l'île de la Treille niveau météo. En été, je suis assez d'accord. Par contre, bon, alors, on n'a pas encore l'information, justement, ça viendra peut-être un peu plus avec toi. Mais je me demande, vu que c'est une île, est-ce qu'il va pas aussi y avoir, tu sais, des trucs genre des forts courants dans le canal White Ruin ou ce genre de choses, voire des, peut-être des tempêtes éventuellement, des tempêtes en hiver ou en automne. Tu vois, ça, je redoute un peu moins. Moi, j'aurais sur le Val. Hein. Le Val d'Arryn dans la vallée, pas forcément trop en hauteur, mais dans la vallée, un petit climat un peu. J'aime pas quand il fait trop chaud, en fait, donc je me dis, il peut faire un petit 20 degrés permanent toute l'année. Non, attends, t'es ouf, il fait pas 20 degrés en vallée, dans le Val, il fait zéro minimum. Tu te pèles le cul. Mais je préfère qu'il fasse zéro que plus 40. Ouais, tu te pèles, tu te les lèches. En fait, Ezor, à vous, Ezor, je suis sûr que toi, le lieu où t'as envie de vivre, en fait, c'est pas spécialement les Aériens ni les Portes de la Lune. C'est le super fief de Baelish. Oui, voilà, exactement. La petite tour tout au bout des doigts, tu vois. Non, je pensais plus à un truc vraiment dans la vallée. Bon, faut enlever les hommes des collines qui gênent un peu le paysage, mais sinon, c'était plus par là. Un climat tempéré avec voilà, pas trop chaud, pas trop froid, quelque chose d'assez... Les biais, j'ai vraiment l'impression qu'il fait chaud l'été, quoi. Vu tout ce qu'il y pousse, les fruits qu'ils ont, l'été, il doit faire 35 degrés. Non mais je suis d'accord que le climat estival du Val est sûrement plus agréable. Mais je me dis que par contre en hiver, il doit quand même faire vraiment froid, tu vois. Moi j'associerais ça à genre Chambéry en hiver, et Chambéry en hiver, bah et il fait quand même froid, quoi. Et puis bon, c'est sympa, mais à Westeros en plus t'as pas le chauffage central, quoi, donc vraiment t'as froid, quoi. Puis enfin t'as pas non plus le Gore-Tex, t'as pas des bonnes doudounes, quoi. Faut penser à l'équipement, donc non moi je pense que trop froid l'hiver, mais par contre l'été je suis d'accord. John, est-ce qu'on peut diviser la météo en deux, été hiver, et on choisit notre résidence d'été, résidence d'hiver? Non, c'est refusé. C'est tout à fait refusé, donc vous n'aurez pas de consensus, je pense, sur le climat météo, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une légère majorité pour au jardin, s'il fallait trancher sur ce critère-là. Bah, 2-1. 2-1, oui, c'était vous aviez des demi-votes, vous aviez quand même un peu dispersé vos votes, mais si, voilà. On a quand même plutôt 2-1 pour au jardin, ce qui me semble pas mal, et du coup on va passer à un critère de paysage, c'est-à-dire... Bah, est-ce que c'est beau, l'endroit où vous habitez ? Du coup, vas-y, Ezor, c'est toi, c'est ton tour.
Alors, moi, dans les paysages, j'avais noté un truc, mais c'était un peu pour pas voir comme tout le monde. Mais c'est au nord du mur. Dans le genre paysage improbable que tu verras jamais nulle part ailleurs. Là, les déserts de glace. Parce que, bon, les autres couronnes, si on reste dans Westeros, les autres couronnes, bon, on peut trouver ça un peu partout, je viens de dire. Mais alors que le nord du mur, moi, ça me. Enfin, en tout cas, ça me tente d'y aller. Voilà. Je pense que je vais être tout seul et qu'évidemment, ça va pas gagner, mais je compte. Mais tellement pas du tout en vrai. Vas-y, si c'est pour mourir de froid, peigne ton paysage, quoi. On parle de paysage, on dit pas qu'on va survivre. Ah oui, bah ouais, je te remercie. Paysage, non, moi je suis d'accord. Hein. Moi je suis d'accord, je suis partie en vacances en Islande, c'était trop beau. Hein. Voilà, c'est un peu ce délire là. C'est magnifique, quoi. Toi, ça, soit le nord de Winterfell, ça me... enfin, le nord du nord, du coup, il fait penser un peu au. Un peu type Écosse, Highland écossais. Ouais, ce serait plus entre le sud du mur et le nord du mur. Avec des aurores boréales et tout. Ouais, non, j'achète. Ah bah, je vous laisse mourir de froid tout seul. Moi, je. Mais sinon, j'aurais été dans le Et Val, ben hein, à part voilà, ça. exactement. Moi, pour moi, ça va être le Val, hein. Je suis désolé. En termes de paysage, c'est toujours la description en plus qui m'a soufflé lorsque Kathleen arrive dans le Val. Si tu veux vraiment parler d'un paysage, alors là, oui, t'habites les Aériens, t'ouvres la porte de la lune, tu contemples. Tout ça, c'est à moi, tu vois. Donc, non, 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 pour ma CV, c'est clairement les Aériens. À la limite. Avec la cascade et tout, là, les larmes d'Alissa, c'est trop Tout beau, à quoi. fait. Hein, mais clairement, enfin, t'as l'impression d'être dans de l'heroic fantasy plus que dans la fantasy que Martin fait d'habitude, quoi. Donc, oui. Ça m'a fait penser, pour ceux qui connaissent à Witcher 3, les paysages de Toussaint, du royaume de Toussaint. C'était exactement les Aériens, avec des montagnes en plus, et du froid en plus. Mais ça m'a vraiment fait penser à de la fantasy comme ça. Après, si on parle juste de paysage global au niveau de la région, moi, il y a un autre endroit qui me tente vachement, c'est les Terres de l'Orage. Alors, je vais peut-être être là pour le coup un peu seul sur ce coup-là, mais c'est un coin qui est vachement boisé, il y a encore des grottes des enfants de la forêt dedans, il y a quelques châteaux qui sont assez sympas à aller visiter, donc ça, à la limite, moi, ça pourrait me tenter. Mais alors, les déserts de glace, merci bien. Ce serait plus les îles de Fer dans ce cas-là, les îles de Fer et le paysage typiquement marin, le côté très salin, très avec tes rochers, tes trucs super escarpés, ça doit être assez sympa à regarder. Et puis en plus avec Pike et le pont de Pike et tout, ça doit être aussi assez impressionnant à regarder. C'est impressionnant à regarder, mais niveau paysage, je suis pas sûr que ça rentre dans le thème qu'on a. Ah si, quand même, hein. En termes de paysage, des falaises super impressionnantes, enfin, c'est là on est sur du paysage complètement marin, mais moi je vois ça un peu comme bah, je sais pas moi, les îles du Finistère, des choses comme ça, mais en plus, quoi. Genre Fort Boyard, tu vois, mais en mieux. Non, non, mais moi je suis assez d'accord avec toi, Nympha, et ça aurait été mon troisième choix. Le problème, c'est que bah c'est bien connu, je fais une phobie des fermiers, donc je vais jamais mettre les fermiers en premier. Donc non, moi je vais rester sur les Aériens. Ouais, non, mais moi aussi je vais aller dans le Val. Hein. À choisir entre tout, j'irai dans le Val. Là, tout seul au froid, c'est le Val qui gagne du coup. Eridan a l'air d'avoir un peu de mal avec le concept de séparer les critères. C'est pas facile, mais. Pourquoi? Qu'est-ce que je sépare pas? Bah, alors, parce que ton critère contre le nord du mur, c'est il fait trop froid, et ton critère contre les îles de fer, c'est il y a des fermées. Ce ne sont pas du tout des critères de paysage. Mais on va faire abstraction parce que. Bah, je suis désolé, les fermiers font partie du paysage à un moment donné, hein. Oui, du coup, notre dernier critère, sur tout cet aspect un peu tourisme, ça serait, on l'a déjà un peu vite fait aborder, mais ce que j'ai appelé la culture dans le sens les trucs à voir dans le coin. Donc pour moi, c'est plutôt là que vous pouvez faire rentrer les larmes d'Alissa, typiquement. Ou voilà, s'il y a vous habitez quelque part, il y a des trucs à voir autour, il y a d'autres beaux châteaux, il y a des trucs naturels spéciaux, etc. Bah vas-y, Eridan, commence. Ben vous me voyez venir. Je vais repartir avec au jardin. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand t'es à deux pas de Ville Vieille, que tu peux en plus aller voir Samuel Tarly,
que en plus ils n'étaient pas trop loin de tous les châteaux autour du Bif, voire en réalité d'un peu tous les châteaux aussi des terres de l'Ouest. S'il y a un autre choix à la limite en termes de culture qui moi pourrait m'intéresser, et on n'en a pas encore parlé jusque là et on en parlera sûrement très peu, mais là pour le coup c'est Vivzeg, parce que justement Vivzeg aussi t'es quand même bien au centre et tu peux aller voir d'autres trucs autour, c'est-à-dire que tu peux aller à Vieille-Pierre, tu peux passer mais alors pas très vite à Arenal et après tu te dégages, tu vois, tu peux aller voir les Nerdosk et les Bracken se taper dessus, tu peux aller faire un petit tour si ils sont pas en guerre contre toi du côté des Lannister, tu peux monter au nord, descendre au sud, partir de voir les Harin dans les Aériens. Donc non, pour moi Vivzeg du point de vue de la culture c'est pas trop mal. Il y a deux trois petites choses à aller voir quand t'es à Vivzeg. Ouais, Vivzeg. Moi, alors, à Westeros, c'est vrai que j'étais resté sur comme toi sur au jardin. Mais sinon, j'avais plus pensé à Braavos. En fait, voilà, on s'exile un peu de Westeros, mais le côté multiculture, un peu la cité créée par les anciens esclaves. Je pense qu'il y a plus de choses à voir réunies au même endroit. Donc si tu veux juste, t'as une semaine de vacances, tu veux visiter, faire des lieux culturels, vaut mieux être sans tout centraliser, quoi. Ouais, mais t'es plus à Westeros. C'est pas grave. Et toi, Nanfa, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Bah alors moi, j'avais pensé à Villevieille, quand même, la bibliothèque, la citadelle, les maîtres et tout. Donc Villevieille et donc au jardin à côté. Ou alors, quand même Port-Réal. Parce que mine de rien, y a quand même des trucs à voir, quoi. Le septuaire, le donjon rouge et tout. Et puis je me dis qu'en plus, en termes de vie culturelle, que ce soit Villevieille ou Port-Réal, ça doit comme, en termes de vie nocturne, tu vois, ça doit quand même être un peu sympa à voir. T'as, surtout Villevieille, je pense à Villevieille, tu dois avoir les apprentis maîtres là qui se font des happenings dans les bars, genre ton apprenti maître tout pourri qui fait du stand-up ou qui sort sa guitare. Ah, tu le vends trop bien. Je veux. Non, mais ça doit être super marrant, quoi. Tu vas boire un verre dans ton bar et puis pouf, là t'as ton petit apprenti maître qui joue de la musique. Port-Réal, c'est probablement un peu plus vulgos, mais pareil, quand même, t'as deux, trois bordels à aller visiter. En réel, ça dépend des quartiers. Ouais. Ça dépend de ce que tu recherches et des activités, en fait, concrètement. Voilà, c'est ça. Mais en termes d'activités nocturnes, t'as quand même de quoi faire à Port-Réal aussi. Hein. Donc, non, je me dis que, bon, Port-Réal, ça peut être marrant aussi. Après, en fait, en termes de tourisme, je suis d'accord. Mais alors, pour y vivre toute l'année, tu vois. Mais on peut le faire du tourisme, là. Ah non. Ah non, mais ça pue. Tourisme, culture, donc non. Effectivement, après, tu vas pas vivre là-bas. Non, ouais, mais justement, même pour la vie culturelle, moi, j'irais pas vivre là-bas toute l'année, tu vois. Alors, par contre, seulement en tourisme pour aller visiter vite fait, mais alors, sinon, ouais, non, moi, je vais rester sur au jardin, hein, désolé. Non, mais tu vois, genre, t'y vas à l'occasion d'un tournoi, un truc comme ça, t'as des gros banquets, tu vois, tu passes une petite semaine à Port-Réal, histoire de voir un peu la vie à Port-Réal, tu profites de ton tournoi, tu profites de ton banquet, et après, tu rentres chez toi. Avec un peu de chance, tu croises un Targaryen ou deux dans les rues, tu vois, tu peux croiser quelques célébrités aussi dans la rue, alors que bon, à Vivzeg, ça a l'air un peu pas fun comme endroit. Ah non, Vivzeg, ça pue. Bah, c'est sans doute joli, on l'a dit, hein, mais pour... Ouais, pour une semaine de tourisme culturel, même au jardin, tu vois, ça me donne moins envie que Port-Réal. Je garde Braavos en idée B, hein, mais... Et Braavos, c'est pas mal aussi. Non, mais moi, j'ai ma triade Braavos, Port-Réal et Villevieille. Du coup, on a pas mal de challenges. C'est terrible parce que du coup, vous avez juste envie au niveau culturel d'aller voir les milieux urbains. Alors la ruralité, ça vous intéresse pas du tout. Ouais. Bravo, belle inclusion. On a déjà fait les paysages, quoi. Ouais, vas-y, comment elle clash les ruraux, c'est honteux. En même temps, toi, tu voulais aller voir des châteaux, excuse-moi. Hein. C'était pas trop la ruralité. Hein. Ouais, mais c'est des pécores, les vassaux du Bif, en même temps. Bref, allez, on va passer à la suite. Pardon, John, vas-y, dis-nous. Non, t'inquiète. Non, mais j'étais en train de réfléchir. Il y a eu beaucoup de... Du coup, il y a beaucoup de challengers sur cette catégorie. Je pense que ce qui se dégage, ça serait quand même au jardin. Ça a été au moins cité par tout le monde. Même s'il n'y a pas eu une énorme unanimité, il y avait vraiment beaucoup d'idées en tout cas. Ce qui nous ferait du coup
sur ce premier thème du tourisme, on a un peu une égalité les aériens et au jardin, deux catégories chacun. Ça fait déjà des bons challengers, on va voir s'ils se maintiennent dans la course dans les prochaines catégories. Le suspense est insoutenable. Et on passe donc à un deuxième thème global qu'on a appelé mode de vie. Donc encore une fois, c'est très clair comme thème. Et c'est ce qui va regrouper plutôt tout ce qui est les habitudes des habitants, disons. Et un peu les gens qui habitent là, qu'est-ce qu'ils ont. Et par exemple, pour illustrer ça, quoi de mieux que la première de nos catégories qui est du coup les us et coutumes. Donc les us et coutumes d'un endroit qui serait particulièrement agréable ou attrayant. Pour toi, ça serait quoi, Eridan? Ah bah Dorne, parce que niveau us et coutumes, enfin ils sont quand même un tout petit peu plus ouverts d'esprit que la moyenne globale de Westeros, on va dire. Donc les femmes ont davantage de droits à l'héritage, il y a une plus grande liberté, il n'y a pas une liberté totale comme on le croit de temps en temps au niveau des mœurs, mais il y a une plus grande liberté. Donc là-dessus, moi j'aurais tendance à dire Dorne avec un trait très très léger un très léger aussi intérêt pour au jardin, parce que bah a priori les Tyrell sont au courant de l'homosexualité de Loras, d'après ce qu'en a dit Martine, et qu'ils ont l'air de très bien la tolérer, et ça du coup ça les rend un petit peu plus ouverts d'esprit que bah la moyenne de Westeros aussi à ce niveau-là. Après non, ça resterait Dorne pour moi, je pense. Et moi j'étais partie aussi sur Dorne, pareil, ben en tant que femme histoire de vaguement qu'on m'écoute parler, je pense que ça resterait l'endroit le plus sûr. Sinon, en deuxième choix, j'aurais été à Villevieille, parce que je me dis quand même que bon, les maîtres, ils sont pas spécialement ouverts d'esprit, mais si t'es un mec, ça doit quand même être un peu plus sympa, tu dois quand même avoir un tout petit peu moins de problème de classe que ailleurs, ou en tout cas tu peux au moins monter dans l'échelle sociale des maîtres. Donc en ce sens là, bon, les Villevieilles resteraient peut-être un peu plus ouvertes d'esprit que d'autres endroits, quoi. T'as le moyen de monter effectivement, d'avoir une, alors peut-être pas une ascension sociale parce que ça reste quand même des serviteurs derrière les maîtres, mais t'as au moins moyen de, oui, de trouver ta place dans la société par la culture quand tu es maître, ou par la religion si tu deviens septon ou septa. Même si depuis quelques années, a priori depuis le règne de Baelor, le grand septuaire de Port-Réal réunit un petit peu tout ce qui se fait d'important au niveau de la religion, quoi. C'est plutôt là-bas qu'il faut être si tu veux monter en grade, quoi. Mais disons que ouais, Villevieille, de ce point de vue-là, c'est un peu la ville des opportunités. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, puis bon, c'est l'endroit où si t'aimes lire, on te regardera pas comme un fou. C'est l'endroit où si t'aimes un peu la culture. C'est ça. Il y a plus de culture, d'éducation. Du coup, tu sens qu'il y a peut-être moyen de faire une société un peu plus sympathique pour nous, en tout cas, qui, de notre point de vue, ça a l'air plus facile de s'intégrer là-bas, je dirais. Sinon, je vais rester dans mes îles à l'autre bout du monde, mais Nas, la cité des pacifistes, franchement, ça vous donne pas envie? Bah, c'est pas à Westeros. Ouais, mais moi, on m'a dit on va à Westeros. Oui, je sais, mais je... Alors, le problème, Elzor, c'est que si t'es pas natif de Nas, tu vas mourir. Mais bon, oui, c'est vrai qu'en termes d'us et coutumes, c'est pas mal. Tu meurs, oui. Mais voilà, c'est plus comment tu arrives à faire survivre une société à peu près pacifiste dans un monde où tout le monde a envie de se sauter dessus à pieds joints. Si tu pars par là, les us et coutumes des îles d'été, c'est cool aussi. Hein. Des gens qui mettent l'amour comme divinité suprême, c'est quand même pas trop mal, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais je suis ouvert au débat, tu vois. Dès qu'on sort un peu de Westeros, ça a l'air tout de suite plus sympa. Ouais, mais on a dit qu'on restait à Westeros. Il y a Jon qui va s'arracher les cheveux parce qu'il saura plus où caser les réponses. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis resté sur Dorne, du coup, qui a quand même une majorité de votes exprimés. Et on pourrait presque considérer, comme cela dit, la moins westérosie des couronnes de Westeros. Donc, ça va presque dans ton sens, Heather.
Et sinon, quand même, en termes d'us et coutumes, t'as chez les sauvageons, hein, t'as l'au-delà du mur aussi, qui est quand même un peu... Alors, c'est un peu barbare, mais au moins, en tant que femme, j'aurais, là encore, un petit peu vaguement de chance de faire quelque chose de ma vie, quoi. Je pourrais devenir piqueuse, quelque chose, quoi. Tu vois Ah bah oui, c'est sûr que si tu n'es fille de Craster, t'as effectivement beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à toi. Non, bah arrête. Non, arrête. Non, l'au-delà du mur, mais c'est épouvantable quand t'es une femme. Ton premier mec, il te viole limite à chaque fois. C'est affreux quand t'entends parler de la fille de Tormund qui se fait enlever. Non, moi, le nord du mur, au niveau us et coutume, mais c'est pas juste barbare, c'est de la sauvagerie, quoi. Ah non. Moi, j'imagine pas les pieds, hors de question. Non, tu vois, genre, Ocha, elle a l'air de bien le vivre, hein, t'en as... Non, je sais pas, je... Franchement, entre ça ou être corsetée et brimée, bof, hein, tu sais, entre devenir septa, sœur du silence... globalement, faut pas naître à Westeros quand t'es une femme, hein, je crois que... Oui, non, bah ça, c'est clair, ouais. Mais ça dépend si on parle de l'intérêt des us et coutumes à vivre, ou juste l'intérêt... pour s'intéresser à cette culture-là. Si t'es pour y vivre, effectivement, le nord du mur, ça peut être compliqué, mais l'intérêt est... Peut-être juste t'y passes un petit VIE, tu vois, t'y as pas complètement. Mais c'est vrai qu'anthropologiquement, il y a des choses à voir, quoi. Au moins, tu t'emmerdes pas. Oui, parce que, bon, encore une fois, je vais revenir dessus, mais Viseille, c'est vraiment pour moi le canon de ce qu'on doit se faire chier. Et même là-bas, les coutumes ont l'air pas drôles. Au moins, au nord du mur, tu te dis, tu peux découvrir des choses. Il peut se passer des choses. Ouais, non, quitte à faire, autant aller... Non, mais Dorne reste mieux. Et Dorne reste... Non, Dorne reste carrément mieux. Si on doit rester à Westeros, Dorne, d'accord. Bien, on garde Dorne. Merci, Eusor, pour du coup l'anti-critère. Tu nous as placé le... Par contre, Vivzeg, bah, c'est vraiment nul. En même temps, c'est vrai que la seule tradition qu'on connaît, c'est la tradition funéraire. Voilà. Top. Non, je sais pas, ça m'inspire pas, cet endroit. Non, attends, en vie culturelle, Scatlin, elle avait un peu des bards qui venaient faire de la musique chez elle et tout. Et ça lui manque. Winterfell, c'est encore pire, quoi. C'est mieux que l'île aux ours. Un maximum de fun. Exactement. Du coup, un autre critère lié à ces histoires de mode de vie, ça serait la gastronomie. Qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange bien? Où est-ce qu'on mange original? Où est-ce que vous avez envie de manger toute votre vie? Qui aime le plus manger parmi les trois? On va dire que c'est Eusor. Eusor, où est-ce que tu veux manger? Alors, j'avais pensé au début, je pense au bief pour la diversité de ce que tu peux trouver à manger. C'est-à-dire, le Nord, t'as l'air d'avoir des coutumes qui tournent un peu toujours autour de la chasse, parce que niveau agriculture, ça tourne un peu en rond. Mais il y a tout ce qui est autour des îles des Trois Sœurs, où il y a une présentation de leur soupe des Trois Sœurs là, qui m'a donné envie juste à la lire. Donc rien que pour ça, j'irais bien y faire un petit tour. Sinon, le bief, parce qu'il y a plein de... Oui, voilà, t'as de l'agriculture, il fait beau, il fait chaud, il y a du vin pas loin, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Est-ce qu'on a dit nourriture et boisson, ou juste nourriture? Juste nourriture. Juste nourriture. Non, du coup, plutôt le bief. Après, Port-Réal a un intérêt, c'est que c'est un port sur la côte et que tu dois pouvoir trouver plus de choses exotiques ou qui viennent d'autres coins du monde. Voilà, donc... Bon, je citais les Trois Sœurs juste pour la soupe, mais sinon, j'hésite un peu entre Port-Réal et au Jardin à ses alentours. Alors moi, j'avais aussi mis les Trois Sœurs, et en fait, il se trouve que je ne mange pas de viande du tout. Donc, globalement, il me faut un endroit où on mange que du poisson. Donc, les Trois Sœurs, c'était bien. Ça me laisse les Trois Sœurs ou les Îles de Fer. Et les îles de fer, ça reste plus barbare. Tu vois, les Trois Sœurs, leur potée des sœurs, c'est nickel, c'est pile ce qu'il me faut. Tu vois, c'est de la crème, des fruits de mer, du poisson, des légumes. C'est parfait. Et tu peux changer, tu vois. Tu peux avoir plein de types de poissons différents. Même ta potée des sœurs, tu peux en avoir plein de types différents, quoi. Donc, c'est là que je vais aller manger. Et sinon, j'avais noté en deux le Val d'Arryn, parce que la deuxième chose que je mange dans ma vie, c'est du fromage. Et c'est le seul endroit où on trouve du fromage à peu près potable. Donc on trouve des fromages de chèvre, on trouve du bleu. Donc voilà. Donc le Val d'Arryn. Cet argument me parle complètement. Je change tout ce que j'ai dit avant. Le Val d'Arryn pour moi aussi. Et c'est imbattable. C'est parti.
Et puis en plus, c'est pas très loin en fait des trois sœurs, le Valdarine, donc en réalité, tu peux avoir les deux en même temps, ce qui est absolument parfait. Je remarque que pour une fois, personne n'a cité Dorne. Non, bah, c'est trop mal au bide, hein, trop épicé. Non, mais alors là, Dorne, c'est trop épicé. Non, Dorne, c'est pas possible. Enfin, non. Moi, je partais plutôt sur le bif également, mais ce que vous avez dit sur Port-Réal et sur le Valdarine, c'est bien tentant quand même, en vrai. Je pense que là-dessus, les deux endroits que vous avez cités l'emportent facilement, en réalité. Réal, tu peux avoir du poisson facilement. Est-ce qu'on est au Valdarine et on emporte la potée des trois sœurs, ou est-ce qu'on est aux trois sœurs et on emporte le fromage du Valdarine alors ? Je pense que le poisson frais, c'est plus facile à transporter. Ouais, non, et puis on est au Valdarine. C'est moins facile à transporter, donc vaut mieux garder le poisson frais sur place. Non. Sérieux ? Ouais, en plus les fruits de mer et tout. Ah, mais attends, le problème, c'est que quand t'es dans les trois sœurs, t'as juste pas les moyens de l'acheter ton fromage en vrai. Les fruits de mer à transporter. Les fruits de mer, ils sont pas frais sinon. T'es pauvre quand t'es dans les trois sœurs. À moins que le bœuf ait un bateau du Val d'Arine chargé de fromage qui vienne s'échouer sur tes côtes, ton fromage t'en voit pas la couleur en fait. Donc non. Ouais, mais attends, mais fais venir tes fruits de mer frais jusqu'en haut là, jusqu'aux Airiers. Putain, ils seront plus très frais hein. Ah non, attention, on a parlé du Val d'Arine, on n'a pas spécialement dit les Airiers. Si t'es dans le Val d'Arine, mais à un lieu un peu stratégique, pas trop loin des trois sœurs, là d'accord, ça se joue. Mais alors par contre, non, effectivement, si t'es dans les Airiers, oui, ton poisson il sera plus frais, en effet. Ça va poser problème. Oh, on sait pas, c'est compliqué. Faut être un peu entre les deux, quoi, pile à mi-distance des deux. Ouais, faut être entre les deux. Distance des deux, t'as une chance d'être au milieu de la mer, hein. C'est ça. Et là, Goéville ? Ah, bah ouais, Goéville, ouais. Non, mais faut être à Goéville. C'est un port, c'est parfait. Et ben voilà. Donc Goéville qui sort en consensus de nulle part. Bien joué. L'invité surprise. Ouais. Et du coup, on va faire effectivement le critère œnologie, boisson, etc. Et une nouvelle fois, on va se demander, mais qui aime le mieux boire parmi ces trois intervenants ? Oh bah, Eusor, dis-nous donc ton choix. Oh bah, dis donc, encore une fois, merci beaucoup. Alors là, il y a la Treille qui ressort évidemment. Je pense que c'est difficile parce que de ne pas y penser, parce que c'est le seul endroit où il y a du vin qui ressemble à peu près à du vin, qui soit pas trop épais ou trop bizarre comme dans le Nord. Mais dans le Nord, il semble avoir de la bière, qu'il n'y a pas trop dans le Sud. Du coup, selon vos goûts, les goûts, les couleurs entre le vin et la bière, j'avoue que j'hésite. Moi, c'est clairement la Treille. Moi, il n'y a pas photo, c'est la Treille, c'est les seuls qui savent faire du vin. Oui, mais du vin, c'est si t'aimes le vin. Ouais, mais tu peux faire venir de la bière. De la bière, il y en a partout. Hein. T'en as à Port-Réal, t'en as dans le Nord, t'en as à Vivesay, enfin, t'en as partout de la bière. Ton bon vin, c'est quand même chez les Redwine. Il s'appelle Red Wine, c'est pas pour rien. Hein. C'est sûr que c'est le seul endroit où il y a du vin à peu près correct dans tout Westeros, ça c'est sûr. Bah, ça dépend des goûts. Alors déjà, la bière, c'est pas bon. On va poser ça comme base. Donc Winterfell, c'est juste pas possible. Niveau œnologie, ça va pas pouvoir être possible. Non, et puis, alors les Red Wine se vantent de faire du bon vin, mais si t'as des goûts d'ornien, et là-dessus, ce sera plutôt mon cas, eh ben, tu kiffes vachement le vin de Dorne. Et le vin de Dorne, à mon avis, il est vachement meilleur que la Treille au Ré. Donc, moi, je voterai pour Dorne. Oh, il a l'air coupé au sucre et tout, là. Oh non, non, non. Ah, oh, trop bien. Oh. J'adore, vas-y. Mes deux passions réunies en une seule coupe. Génial. Non, mais ça, c'est quasiment du sirop aux épices, leur truc, là. Je prends le vin d'Ornien. Ah non, je vote contre. Trop bien. Oh, s'il faut absolument un consensus, je me rallie à Nymphadora et je prends la Treille. Ouais, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur la Treille. Pour aller avec mon fromage du Val, excuse-moi, mais un bon la Treille, ça, c'est quand même autre chose qu'un vin d'Ornien. C'est bien triche. Ah, ça se tient, hein. Si on veut boire genre des jus de fruits, il n'y a pas au jardin, ils font pas plein de fruits bien sucrés. T'auras du jus de raisin à la Treille. Non, sinon t'as les oranges qui tombent, là, toute la description des oranges au jardin aquatique. Si tu veux du jus d'orange, ça va être le meilleur endroit. Et par contre, t'auras que ça, hein. Tu manges pas, tu bois pas autre chose. Oh, un petit jus de citron aussi. Une petite citronnade, à Dorne, t'auras ta petite citronnade. Ouais. Ah bah là, d'accord. En plus, avec la tarte au citron derrière, voilà, deux gâteaux au citron, parfait. Ma citronnade, je la bois pas avec mon fromage, hein, donc voilà. Bref, une petite tête sur le fromage. Faut aller à Dorne. Il faut aller à Dorne pour boire, c'est tout. Ok, donc la Treille pour la boisson, je pense que c'est quand même ça qui fait le plus consensus. Désolé, Eridan.
Et donc notre dernière catégorie de ce thème, c'est la catégorie la plus claire que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai appelé une catégorie exotisme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est une bonne question, tout le monde se le demande. Ça serait ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire, qui est un peu étrange, original, qu'on pourrait voir que à un certain endroit et qui pourrait lui donner de l'attrait. Eridan. Eh ben pour une fois, moi je vais aller du côté de Winterfell et du Nord. Parce que si tu vas du côté de l'Est, t'as les Skags, bon alors faut aimer les cannibales, hein, mais voilà. Si tu vas un petit peu au Nord... Les licornes. Comment? Il y a des licornes. Oui, voilà, les cannibales et les licornes, c'est vrai que ça va très bien ensemble. Si tu vas au Nord, t'as le mur et les sauvageons, c'est bucolique. T'as aussi l'île aux ours qui peut être cool. T'as les paludiers au sud. Et puis, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs un petit peu, que tu vois que du côté du nord. Donc, moi, j'aurais tendance à parler du nord pour l'exotisme. Mais là, t'es en train de refaire le tourisme. Et d'ailleurs, on a oublié de parler du mur, mais c'est vrai qu'en termes de tourisme, aller au mur, ça doit être assez sympa quand même. Ça doit être à voir une fois dans ta vie. Je sais pas si je refais le même critère, mais du coup, moi, dans ce que j'ai compris du critère de John, c'était ça que j'avais envie de mettre en avant. Moi, ça me va. C'est clairement accepté, Eridan. Te laisse pas faire. Et donc, Nympha, dis-nous, donc toi, ton interprétation du critère. Du coup, moi, j'ai interprété ça comme vraiment un truc que tu trouves pas ailleurs, mais de manière aussi culturelle, sociale, tout. Vraiment un endroit complètement autre. Et pour moi, il y a deux endroits qui sont vraiment complètement bizarres par rapport au reste de Westeros. T'as Griseau, avec les paludiers et leur château ambulant. Et t'as l'île aux faces, qui est aussi le reste des enfants de la forêt et qui semble être vraiment complètement exotique et incongru au milieu de tout le reste de Westeros. Moi, j'avais noté l'île aux faces en premier. Du coup, ça m'avait fait penser à Griseau parce qu'on sent qu'il y a un petit lien entre les deux. Mais je me trouve embêté parce que Nympha a piqué mes deux idées. Voilà, il faut que je trouve en catastrophe quelque chose. Bah, si tu cherches des trucs, tu peux sortir les îles de fer du coup parce que le mode de vie des fermiers ressemble à rien d'autre de connu. Le mode de vie, oui, mais je sais pas si on peut dire que c'est exotique. C'est pas incongru. Voilà, c'est ça. C'est pas incongru le mode de vie des fermiers, bon, un peu quand même. En termes de longévité, ce que ça leur apporte, c'est quand même un petit peu. Allez, je vais rester sur le terme exotique pour pas dire parfaitement débile. Non, et puis t'as les dormants aussi qui sont exotiques à ce compte-là. Parce qu'ils ont un mode de vie que tu vois nulle part ailleurs à Westeros, en fait. Mais tu vois, moi, je les vois moins comme incongrus dans le paysage. Là, je comprends assez bien comment ils se sont développés pour arriver à une société dornienne, une société pseudo-viking sauvage. Ça me... En fait, moi, je le voyais plus, ce thème-là, comme un truc de vraiment complètement incongru et fantasy au milieu de Westeros. Et d'où vraiment le château ambulant des paludiers ou l'île aux faces, qui sont vraiment des endroits magiques, en fait. Je pense qu'on va garder, du coup, effectivement, Griseau pour cette catégorie, parce que même Eridan, quand tu parlais du Nord, t'as parlé de Skagos, t'as parlé des paludiers, donc c'est effectivement exotique. Ça me va très bien. Ce qui nous fait, donc, si je fais un bilan de ce deuxième thème, on a eu des réponses plus variées. Au final, on a Dorne, Greyville, La Treille et Griseau. Donc là, pas de consensus et on n'est pas revenu ni aux Aériens ni au Jardin. Donc la course est encore très serrée sur où aller vivre à Westeros. Quel suspense insoutenable, j'ai hâte de savoir le troisième thème. Et le troisième thème, donc, c'est un thème qu'on a appelé Société. Donc on va plus se pencher sur... les gens qui habitent dans les endroits, etc. Donc, effectivement... On aurait compris que Eridan vous dira qu'il ne veut pas aller dans les îles de fer. Par exemple. Je ne veux pas aller dans les îles de fer. Et donc, on va commencer, effectivement, par la population de l'endroit, donc ses habitants, donc les Fernés, les meilleurs amis d'Eridan.
Et donc, Eridan, où tu veux aller, alors? En termes de population... Aïe, 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 ouais, non, si, je vais... Je pense que je vais être obligé de redire Dorne, parce que c'est les personnes qui me semblent les plus ouvertes d'esprit. Après, c'est... Enfin, ça rejoint un petit peu les raisons pour us et coutume, du coup, ça m'embête. Ouais, si, quand même. Les Dorniens me semblent être les personnes peut-être les plus fréquentables de Westeros. Même s'ils peuvent t'assassiner aussi à coups de scorpion dans un lit, hein, faut pas l'oublier, mais bon, quand même. C'est, je préférerais être Dornien, ce moment-là. Ouais, ils sont un peu sanguins, quand même. Hein. Disons qu'il faut pas trop les énerver, mais bon... au-delà de ça... Ouais, bah, moi, j'en reviens pareil au point Yusekutim. Hein, si... en tant que femme, forcément Dorne. Après, bah, sinon, si j'étais un homme blanc à Westeros, Villevieille. Je pense qu'à Villevieille, tu as quand même des gens un peu plus éduqués et une population plus pisse et plus ouverte, même si machiste. Moi, j'étais parti sur un truc complètement différent. C'était plutôt les clans du Nord que va avoir Stannis. Déjà, c'est les potes de Stannis. Ça, c'était pour le caser quelque part. Et puis, non, mais ils ont un côté assez fidèle envers. Fidèle contre tous. Ils ont moins cette tendance à t'assassiner dans le dos comme toutes les trucs à la cour, que ce soit à Port-Réal ou à Villevieille. Ou ce côté dornien où on ne sait jamais trop si tu vas finir transpercé par une lance au dernier moment. J'aime bien leur côté un peu vie mi-rurale, mi-guerrière. Et ils ont, je sais pas, ils me sont sympathiques en tout cas, ces gens-là. Ils ont l'air plus honnêtes et moins. Voilà. Les montagnes aussi dans le Val qui sont un peu sur le même modèle et qui ont l'air assez funky. Mais bon, là, un peu plus dangereux quand même. Hein. Tu risques de te prendre quelques coups mal placés. Bah, c'est pour ça que les clans du Nord me paraissaient moins. Les clans des montagnes sont quand même un peu barrés. Alors que les clans du Nord me semblent plus posés. Ils ont leur coutume un peu de chez eux. Mais on dit bien que quand ils sont sympas, ils t'invitent à bouffer sur tout le trajet et t'en finis pas. Rien que pour ça, c'est quand même des gens formidables. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Enfin, le problème des clans des montagnes de la Lune, c'est qu'ils se rapprochent plus des sauvageons encore que des clans des montagnes du Nord, en fait. Et à ce niveau-là, ils peuvent être, on disait sanguins tout à l'heure pour les Dorniens, mais alors les clans des montagnes de la Lune, ils sont vachement aussi, quoi. Attends, tu nais chez les faces brûlées, là Tu te brûles un œil pour devenir chef, bon, ça devient un peu. C'est un peu extrême. Voilà. Bah, c'est ça. Bah, ça. C'est un peu violent quand même. C'est ça. Ou alors tu portes des colliers d'oreilles. Oh, bof, bof, quoi, quand même. Non, j'étais pas aussi extrême dans mon choix. Je voulais quelque chose de plus terre à terre, mais quand même pas trop. Je voulais survivre plus de 3 jours aussi. C'est ça. Eux, ils sont un peu plus intégrés dans la société féodale de Westeros. Donc, du coup, ça passe un peu mieux, tu vois. Ils vivent entre eux un peu dans leur montagne, mais ils ont l'air quand même plutôt sympathiques et tout le monde les aime bien finalement. Bon, surtout Stannis, mais. Ouais, surtout Stannis, ouais. Et Ned les adore. Donc... Enfin, les adorait, le pauvre. Ouais, non, c'est un bon choix. Je me rallie. Ah, parfait. On garde ce choix. En plus, c'est bien, Ezor, t'as réussi à sortir de la comparaison avec Us et Coutume. J'avoue que c'était pas facile. Donc, un point pour toi, Ezor. Merci. Bravo. Je prends. une deuxième catégorie dans ce thème, ça serait le niveau de vie de l'endroit. Ça, c'est peut-être plus évident. Donc, évidemment, si vous êtes un bouseux qui vit au milieu de la bouse, votre niveau de vie sera pourri où que vous soyez. Mais dans l'idée, je pense qu'on peut quand même un peu différencier les endroits sur ce critère-là. Qu'en pense notre bouseuse en chef Nymphadora? Écoute, je vais aller à Castral Rock. Oh, la solution facilité. Bah ouais, facilité, mais l'anti-bouseux... C'est sûr. C'est quand même Castral Rock. Hein. Bah, c'est sûr que tu as des richesses qui te permettent de te sauver. Après, si t'es vraiment un bouseux et que tu dois payer des impôts et survivre partout... En fait, ça dépend un peu où tu te places, mais si tu... Ah ouais, non, mais si t'es vraiment un bouseux... Vaut mieux être dans un coin où l'agriculture est pas dégueu, où tu peux t'en sortir en vivant normalement, quoi. Si t'as pas les moyens et que t'es dans le nord, la vie est dure. Ouais, mais au moins t'as peut-être pas un suzerain qui vient t'emmerder. Oui, parce qu'il est loin. Parce que en termes de politique fiscale,
Si t'es un bouseux, c'est vachement difficile de vivre en fait, de toute façon partout. Bah, clairement. Mais il vaut mieux un suzerain qui s'en fout un peu et qui va pas trop venir collecter tes taxes. Et là, pour le coup, Castle Rock, c'est pas trop ça, quoi. Ouais, non, ils sont à peu près de leur sous. Alors que t'es dans le nord, bon, le premier suzerain que tu croises, il est à 800 bornes de là. T'as peut-être moyen de finalement mieux t'en sortir si t'es tout en bas de la société. Ouais, c'est quand même des gens qui pratiquent encore le rituel de la première nuit. Enfin, moi, quand on vient me réclamer ce genre de taxe-là à mon mariage, je vous avoue que je suis moyen chaud, en vrai. Donc, bof. Comme l'a très bien dit John, dans tous les cas, t'auras un niveau de vie tout pourri. Ouais, t'as les Balton. Hein. Non, mais après, alors moi, puisque j'ai pas envie de céder à la solution de facilité que sont les Lannister, bah, j'ai bien envie de me rapprocher de la seconde terre la plus riche, c'est-à-dire le Bif. Et alors là, je me dis que si t'es Tyrell, c'est encore une fois une solution un peu de facilité. Ou alors, si t'es Hightower. Si t'es Hightower, c'est pas dégueu non plus. T'es quand même une maison vachement riche, voire une des deuxièmes, voire peut-être la deuxième maison la plus riche après les Lannister de Westeros. Et qui plus est, t'as quand même l'accès à plein de choses. Parce que niveau de vie, on cause fiscalité, mais il y a aussi tout un autre pan qu'il faut peut-être voir, c'est bah, l'accès aux soins, ce genre de choses. Et à ce niveau-là, t'as quand même la citadelle des Maestres qui est juste à côté. Donc, moi, rien que pour ça, j'ai envie d'aller dire Hightower. Mais c'est vraiment pour être dans l'opposition. Il y a des Maestres un peu partout, en fait. Je suis d'accord, mais tu peux trouver des Maestres partout dans n'importe quel château. Et c'est pas un critère discriminant. C'est vrai que j'avais pas pensé. Le coût de la médecine. Mais de toute façon, vu l'état de la médecine à Westeros, c'est quand même pas... Bon, c'est approximatif. Après, il y a aussi le côté éventuellement religieux qui peut jouer en fonction des convictions des uns et des autres. Mais là aussi, Villevia, il était quand même à côté du sceptre étoilé. Il y a quand même aussi le lien avec le commerce. Un peu près des fanatiques, justement. Oh, plus trop depuis que Maegor y a mis bon ordre. Non, ça se passe bien. Ouais, maintenant que Cersei elle a réarmé la foi, moyen. Moi, j'irai pas trop. Ah, on les voit pas encore à Villevieille, hein, pour le moment. Oui, vous pouvez peut-être pas être dans le coin. Ouais, non, mais de toute façon, vaut mieux pas être à Villevieille dans le coin là, maintenant, tout de suite, puisque y a Euron qui débarque. Alors là, tout de suite, maintenant, oui, faut. Ça, c'est de la triche d'utiliser ça dans le critère niveau de vie, l'arrivée d'Euron. Ok, bon, d'accord, faut être à la distère, hein, souhait. Mais si ça fait comme dans la série et que t'es une sécuisse, qu'est-ce que tu fais, hein? Hein? Ah bah, t'es bien attrapé. Non, mais tu peux être dans le bief, mais un peu loin de Villevieille. Bah, c'est grand, en fait, comme couronne. Donc, t'es obligé d'être collé à la ville où ça risque d'aller mal. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que t'es un bouseux et on en revient au fait que. Ouais, mais faut être un bouseux dans le bief. Tu peux vivre plus facilement et avoir un meilleur climat. Là. Franchement, les Tyrell, à mon avis, ils te laissent pas passer tes taxes non plus. Hein. Oui, mais ils sont peut-être assez riches pour pas. Devoir t'en demander trop. Comme ils n'ont pas été trop touchés par la guerre, tout ça. Ouais, je sais pas, hein, c'est aussi chez Tarly. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut être aussi loin des Tarly. Oh punaise, oh grave. On n'en est pas encore au point suzerain, Nympha. Non, on n'en est pas encore au point suzerain, là, tu triches. Non, mais en termes de taxes, Tarly, ça se défend, oui. C'est sûr qu'il est. Il doit pas être sympathique, le monsieur. Niveau de vie, moi, je voterai quand même pour le bief. Voilà, toc. Non, je te rejoins, mais le bief un peu paumé, loin des grands seigneurs. Je mets une petite précision. Ou en étant grand seigneur. Oui, mais là, c'est trop facile. Moi je reste Lannister. Hein. Bon, on a moyennement le consensus sur ce niveau de vie, mais c'est quand même du coup le bief qui va gagner. Je suis désolé, Nympha. Oups. Et ils y connaissent rien à la richesse. et du coup, effectivement, vous avez commencé à en parler, mais donc on va faire le point suzerain. On a bien compris que vous ne vouliez pas que ça soit Tarly, votre suzerain. Alors qui ? Non mais Fort Terreur, ça me paraît pas mal. Oui, c'est vrai qu'on l'a jamais cité depuis le début. Dans les endroits où il fait bon vivre, Fort Terreur, pas venu. C'est bizarre, hein. Je comprends pas. Non, moi j'irai chez les Rides, hein. Moi j'irai à Griseau. Hein. Ils sont, ils ont pas l'air chiants. En plus, t'es quand même bien tranquille dans ton marécage là. Personne va venir te faire chier. Eux vont te protéger avec leur château ambulant. Donc non, moi je vais aller chez les Rides. Moi, je trouve qu'on les voit pas assez pour être sûr. Oui, on n'en connaît pas assez. Voilà. Alors, ça dépend là aussi si on choisit d'être un grand, enfin, si on choisit d'être seigneur ou si on choisit d'être bouseux. Si on est bouseux, moi, il y a un suzerain que je veux avoir. C'est Edmure Tully. Parce que Edmure Tully, c'est le seul mec qui se dit,
Oh, des bouseux, il faut que je les protège, il faut que je leur sauve leur petite vie de bouseux. Donc vite, 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 je les accueille tous dans mon château. Et ah mince, j'ai des bouches inutiles à nourrir, c'est bête. Bon, ben c'est pas grave, je les sauve quand même, parce que je suis un chevalier blanc. Et du coup, rien que pour ça, et uniquement si je suis un bouseux, ça m'intéresse d'habiter sur les terres publiques, si c'est Edmure le grand patron. Si c'est encore austère ou si c'est Brindon, je me casse. Dans ce cas-là, moi, je vais chez Ned Stark, ou encore mieux, je vais chez Bran Stark au moment où il a la régence. Il est trop mimi, il fait les fêtes des moissons et tout. Il ferait tout pour son petit peuple. Il a un côté un peu innocent, Bran, qui le rend. Tu te dis, ça peut être le type sympa, quoi. En plus, il est bien entouré, Maître Lewin est un type relativement bien. Après bon, ça va pas durer longtemps, quoi. J'imagine que c'est pas une situation pérenne, quoi. Quand c'est un enfant qui gère. J'ai envie de vous rediriger vers le podcast qu'on a sorti il y a pas très longtemps sur Bran, et on reparle du côté un peu innocent de Bran après. Voilà, faites une pause, on revient sur ça. Pardon, je vous laisse continuer. Moi, Ned Stark, si je suis un bouseux, hein, encore une fois, mais Ned Stark, je ne fais pas confiance. Le mec, il se moque justement d'Edmure et de son grand cœur à certains moments. Donc, non, Ned, j'ai peur qu'il me prenne comme chair à canon parce que, oh là là, la reine, elle a couché avec son frère, c'est tellement pas bien, faisons une guerre. Et pareil, Bran, j'aurais tendance à me méfier légèrement. Parce que, ok, lui, il est sympa, mais autour de lui, il a des mecs qui sont un petit peu plus réalistes, justement, qui ont tendance à faire de la réelle politique comme peuvent le faire Louis ou comme peuvent le faire Roderick Castle, et du coup, je me méfierais. Si je suis un bouseux, mon suzerain idéal, c'est Edmure Tully, ou alors, à la limite, mais extrême limite, c'est Doran Martell, parce que Doran Martell ne veut pas faire couler le sang des Dorniens dans une guerre perdue d'avance. Il attend beaucoup trop longtemps, d'ailleurs, ce qui fait qu'au final, bah, il y a des gens autour de lui qui finissent par mourir alors qu'il voulait pas les impliquer dans un conflit. Voilà, Doran, il se retient de rentrer en guerre, et rien que pour ça, si je fais partie du petit peuple, c'est mes deux choix, quoi. C'est vraiment Edmure ou Doran. Moi, je vais pas chez Edmure. Attends, mais Edmure, si t'es chez Edmure, t'es vers Vivzeg, t'es à l'endroit où tous les combats convergent, et tu te retrouves coincé super vite. Et ce pauvre Edmure, il est bien gentil, mais il se fait balayer en 3 secondes, donc c'est pas pérenne comme situation non plus. Hein. Oh non. Ça t'est du côté des perdants quand t'es chez lui. Oh non. Non, la bataille des gays, il l'a remportée. Hein. La bataille des gays, il l'a remportée. C'est un grand chef de guerre, Edmure. Vive Edmure. Même toi, tu n'y crois pas. J'essaye. Non, mais sinon, c'est Robert Baratheon, quoi. Oui. Robert Baratheon, tu sens que c'est le bon pote. Bon, il s'en fout un peu du royaume, mais tant que ça se passe bien, il laisse un bon conseiller, il sait s'entourer. Ouais. Il doit être pas du genre à venir te décapiter pour rien, parce qu'il pardonne à peu près à tout le monde. Ouais, mais alors, faut vraiment pas avoir un problème de justice avec Robert, parce qu'il juge tellement vite, tu vois. Ah, ta fille, elle a fait un truc nul, et bah tiens, on va tuer le loup de ton autre fille, parce que, bon, parce que je m'en fous. Ok, sympa ta justice, poteau. Enfin, moi, Robert, moyen. Bah, si t'es très proche de lui, ça peut être bizarre, mais si t'es juste le pecno moyen ou le qui habite en ville, là, comme ça, je pense qu'il te dérange moins qu'un autre. Bah, moi, ça m'embête, parce que tu vois, Robert, j'ai peur qu'à un moment donné, il me dise, ah, dis donc, ta fille, elle est bien agréable. Ouais, ça, ouais. Tu vois? Ou alors ta femme, même, ça. Ah oui, ça va arriver, oui, ça. Bah, les deux, d'ailleurs. Hein. Bah, ouais. Bah, donc, du coup, Robert, comme suzerain, bon, alors, Edmure, il est que tard aussi, d'accord, mais au moins, lui, il va que dans les bordels, tu vois. Il vient pas t'embêter avec ta famille. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce petit point problématique chez Robert. Pour le coup, Renly, lui, au moins, on risque pas d'avoir ce problème-là de « Ah tiens, elle est mignonne ta petite gonzesse. » « Ah tiens, il est mignon ton fils !» Ouais, mais il est plus discret, donc il ferait pas non plus ça, tu vois. Puis ouais, non, en plus, il a l'air, il a ce petit côté un peu chevaleresque, il est là pour le fluff et tout, du coup, il essayerait au moins de donner l'apparence d'être cool et sympa. Il n'y a pas de ce genre-là, surtout. T'avais du coup des emmerdes, et que t'avais suffisamment de public autour, tu pourrais assez vite avoir gain de cause, c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est comme on disait tout à l'heure pour les Tully, c'est temporaire comme situation. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui va te protéger très longtemps parce qu'à un moment il va faire n'importe quoi et ça va mal finir. Ah, je suis pas d'accord. Non, enfin, moyennement d'accord. Après, alors on va dire que
franchement, si je suis noble, effectivement, mon suzerain idéal, c'est Renly pour toutes les raisons que vous avez listées. Si je suis pecno moyen, je sais pas. Je sais pas à quel point Renly se soucie de protéger le petit peuple. J'ai pas l'impression que ce soit sa priorité. Du coup, je pense que ça dépend vraiment qui t'es. Est-ce qu'il n'organise pas des grosses fêtes où il invite le petit peuple, Renly? Je le vois bien faire ça, moi. Organiser des grosses soirées où il dit « Allez, c'est open, on vide les stocks et tout le monde peut faire la fête. » Alors ça, oui, qu'il soit super libéral, ça, c'est évident. Par contre, encore une fois, moi, pour moi, c'est la question de la guerre. Quand tu dois, quand t'as la guerre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un suzerain qui te dit « Allez, viens, vas-y, suis-moi, on va se faire démolir. » Comme Robert ou bah, comme Ned Stark, hein, parce que Ned Stark, c'est aussi quand, il peut aussi avoir des côtés de la guerre, par moment. Ou est-ce que tu préfères un suzerain qui va se soucier un petit peu de toi et essayer de te protéger? Dans le Val, hein, tu restes avec Lisa. Hein. Lisa, au moins, t'es tranquille. Hein. Bah, en cas de guerre, le petit peuple, il finit rarement bien, en fait. T'es en train de me rendre compte que Lisa Tully est le meilleur suzerain du monde pour le petit peuple. Oh, merci. Il en est arrivé là tout seul. Hein. Je m'associe pas du tout à ça. Je pensais pas qu'on en arriverait à Lisa Tully quand on cherchait... Les meilleurs suzerains, mais pourquoi pas. Du coup, j'ai zéro consensus, j'ai l'impression, sur ces suzerains. Parce qu'on a Eridan qui est sur Edmure, moi j'étais pas mal convaincu quand même. Eusor et Nympha, vous avez un consensus à deux pour contrer Edmure ou non, pas trop non plus, j'ai l'impression. Moi, je dirais plus Doran dans ce cas-là. Doran est quand même un peu plus pérenne et comme le disait Eridan, lui il veut pas faire couler le sang des Dorniens, il pense quand même à son peuple. Donc, je partirai sur Doran. Oui, puis il a l'air plus long-termiste que les autres qui ont l'air sympathiques, mais tu crois pas trop quand même sur le court terme. Donc, Eusor, tu valides Doran? Je valide Doran parce que je sais que si je dis Stannis, personne va me suivre, mais... Alors que pourtant... Non, effectivement. Ah ouais, non, pas Stannis. Non, mais trop pas. T'es noble, c'est la merde, t'es le petit peuple, c'est grave la merde. Enfin non, pas Stannis. Non mais Doran, ça me plaît bien, il a des défauts, mais c'est de moins pire. Après, je me dis que pour le coup, tu vois, ce qui dessert vraiment Edmure, et pour le coup je suis prêt à me rallier à vous pour Doran, mais ce qui dessert vraiment Edmure, c'est pas tant lui en tant que suzerain, tu vois. Enfin bon, encore que si, il a quand même des côtés effectivement plus couillons aussi, par maman. Mais ce qui va vraiment desservir Edmure, c'est qu'en fait, il se retrouve à être le suzerain de la couronne la plus pourrie du monde. Et comme disait Nympha, c'est pas tant ses qualités à lui qui posent problème, mais c'est vraiment l'endroit où il est, en fait. Alors que Doran... Ah si, ses qualités à lui aussi posent problème. Il y a un gros manque de charisme, quand même, pour un dirigeant, Edmure. Alors là, ça dépend pour qui. Parce que quand tu le vois à travers les yeux de Kathleen, oui, on est d'accord qu'à aucun moment, tu dis que c'est un dirigeant ni qu'il a du charisme. Mais quand tu regardes ses potes, ils le suivent. Quand tu regardes ses vassaux, ils le suivent. Quand tu regardes le petit peuple, ils sont prêts à le suivre et ils l'adorent. Donc, je pense que Edmure, c'est aussi le point de vue de Kathleen qui nous en fait un nulos. Il n'est pas respecté par les autres suzerains et ça, c'est un peu gênant. Moi, c'est ça qui me gêne par rapport à son côté. Je suis suzerain, mais tout le monde se moque de moi, en fait. Non, mais si tu veux. Mais alors, à ce compte-là, Doran, il est estropié. Ouais, mais il est respecté. Par qui? C'est-à-dire que ces vassaux, ils sont à moitié en rébellion, hein, Doran, quand même. On nous dit quand même qu'il y a pas mal de ces vassaux qui l'apprécient pas trop. Et le tout premier chapitre où on le voit, il y a quand même tout son peuple à Villevieille, à Lanceuil-Lyon, qui est en train de dire « Oui, Doran, au pic, bouge-toi les fesses, il y a quand même ton frère qui est mort à l'autre bout de Westeros, là. » Ça se retourne un peu contre lui sur la fin, mais je... Bon, oui, sur la fin, t'as totalement raison. Mais sur le début, j'ai envie de croire qu'il est un peu respecté, que les gens pensent que c'est un bon dirigeant. Et finalement, est-ce que c'est pas le plus important? Alors, dans ce cas-là, en même temps, si à ce compte-là, tu vas chez Tywin. Ouais, mais... Est-ce que tu veux aller chez Tywin qui est... Certes, il est respecté par tout le monde, mais tu veux quand même pas être sous lui, quoi. Ouais, c'est un psychopathe. Ouais, en fait, le respect, c'est une notion qui est très surévaluée chez un suzerain. Oui, c'est vrai que... Non, mais Tywin, c'est un peu trop. Voilà, c'est... Il est très respecté, mais il est aussi un peu fou à côté, donc je suis pas sûr d'accepter ça. Dans ce sens-là, Doran, c'est le compromis qui me paraît bien. Ouais, moi ça me va, Doran. Je dis pas que c'est parfait, mais je vois pas beaucoup mieux, en fait. Très bien, on part sur Doran, alors. Et ensuite, alors là, je vais... Encore une fois, je vais voir
votre inspiration, mais notre dernière catégorie, ça serait la catégorie voisinage, voisin. Les... Typiquement, le moment où vivre chez les Tullys, c'est pourri parce que tous tes voisins veulent te faire la guerre dans tous les sens, tout le temps. Grisot, les mecs, ils savent pas te retrouver. C'est quand même vachement pratique, quoi. Tu es caché. En fait, le meilleur voisin, c'est quand t'as pas de voisin. Bah ouais. Du coup, on te retrouve pas, t'es tranquille, quoi. Ouais, ou alors il nous faudrait une île moisie, effectivement. Bah, même les îles, en fait, tu te fais attaquer de partout. L'île aux ours, ils se font un peu, ils prennent des raids de partout. Ouais, c'est clair. À part. Ouais, c'est clair. On va voir, t'as des îles avec des cannibales dessus. Alors, certes, t'as pas de voisins, mais alors, est-ce que c'est vraiment mieux? Le problème, c'est ça, c'est que Skagos, ce qui est bien, c'est que le problème, c'est pas les voisins, le problème, c'est toi, en fait. Donc, du coup, ça va. Ouais, le problème, c'est que les voisins, ils les ont mangés, mais alors, littéralement. Donc. Bah, le Valdarine, il n'y a pas beaucoup de voisins à part le clan des collines. Bon, on est vraiment en train de chercher où il y a le moins de voisins possible, en fait. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on n'est pas en train d'esquiver la question complètement? Bah, et puis peut-être l'endroit où les voisins sont le moins belliqueux, finalement, en réalité. Le problème, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a des conflits dans tous les sens. Ou alors, faut s'exiler loin de là. Et tes voisins viennent toujours t'embêter. Faut s'exiler dans le sud. Et il va nous reparler de Naps, tu vas voir. Sur un autre continent, alors, par exemple. Non, parce que là, les voisins, c'est des esclavagistes, alors c'est pas forcément fun. Ouais, mais ils peuvent pas venir. Le grand avantage de Naps, c'est que de toute façon, les gens qui veulent t'attaquer, ils meurent. Ouais, ça n'empêche. Hein. C'est le niveau au-dessus de « attention, chien méchant », quoi. C'est, là, ils disent « attention, papillon mortel ». C'est complètement fallacieux, je suis désolé. Y a quand même des esclavagistes qui arrivent à survivre suffisamment à Naf pour ramener des petites Miss Sandei derrière et les faire devenir traductrices. Hein. Ouais, t'as tous les trucs un peu au-dessus, t'as trop de maladies, tu meurs aussi, donc les voisins. Mais t'as pas de voisins. C'est pas si on reste vraiment sur les voisins. Winterfell, t'es loin de tout et t'espères que les sauvageons ne viennent pas, quoi. Ouais, enfin, tes voisins les plus proches, c'est les Bonnetons, et quand ils te font la peau, c'est pas une manière de dire, tu vois. Donc, non. Non, mais Grisot, les voisins, ils te trouvent pas. Oui, ils te trouvent pas. Après, est-ce que toi, t'arrives à retrouver chez toi? Tu vois, genre, tu rentres le soir tard, est-ce que tu retrouves chez toi? Après une bonne cuite, est-ce que tu peux retrouver ta cahute? Franchement, je suis pas certain, moi. C'est pas, je retrouve pas ma voiture, c'est je retrouve pas ma maison, carrément. Ouais, et puis attention, parce que alors là, si tu tombes dans les marais, mais c'est terminé, tu te chopes la fièvre, tu meurs, enfin, c'est horrible de ce point de vue-là. Bon, ça n'a rien à voir avec les voisins, mais quand même. Non mais Grisot, c'est vrai que c'est le combo ultime pour pas avoir de problème avec les voisins. C'est un des trucs les plus protégés. Bah alors là, si tu veux un combo ultime pour pas avoir de problème avec les voisins, bah tu prends l'île aux faces, tout simplement. Les personnes qui veulent aller sur l'île aux faces et qui vont avec de mauvaises intentions n'arrivent pas à la trouver ou je sais plus quoi. Les Andals n'ont jamais pu mettre les pieds sur l'île aux faces. Et pourtant, ça fait des 6 millénaires qu'ils sont là, les Andals. Donc l'île aux faces aussi, de ce point de vue-là, t'es bien protégé quand même. Et tes voisins viennent pas trop t'embêter. Après, t'as peut-être des voisins sympas aussi. Tu vois, c'est toujours bien d'avoir un voisin sympa et qui tu peux. Alors, c'est vrai qu'à Westeros, il n'y en a pas tant que ça, des voisins sympas, mais ça peut être pratique. Alors, salut Lisa Harine, tu me prêtes du pain, s'il te plaît? J'ai plus de sucre. J'ai plus de sucre, tu peux m'en passer? Ouais, non, c'est pas. Alors, Lisa Harine, peut-être pas. Tywin Lannister, dis, tu me prêtes un peu de thune parce que là, je suis un peu raide à la fin du mois. Non, ça marche pas non plus. Non, à la limite, je me dis que l'endroit où tu... Ouais, non, tu... oui, effectivement. Soit Grisot, soit l'île aux faces, pour moi, pour être le moins embêté par les voisins, possiblement. Regarde que ça. Bon, c'est les Bolton qui me gênent. Ok, donc en fait, le critère voisin, c'est transformé en le critère le moins de voisins possible, mais pourquoi pas. Et du coup, c'est Grisot, je pense, qu'on va garder, en fait. Si on reste sur ça, oui. Moi, j'aimais bien le côté... J'aimais bien le côté Winterfell parce que les gars autour ont l'air de bien aimer le suzerain du coin. Du coup, tu dis que t'as quand même des voisins sympas, mais t'as que les Bolton quand même qui viennent un peu noircir le paysage. Donc, ouais, Grisot. Bah, disons que quand ils s'y mettent, ils savent y faire quand même, les gars. Donc, partant de là, bon. Mais bon, tes voisins sont loin. En plus, les autres voisins, après, c'est le mur, quoi. T'as quand même tous les repris de justice du mur. S'ils veulent se barrer du mur, ils vont vite t'emmerder aussi. Ah, mais c'est loin, c'est hyper loin. Bon, c'est un peu loin, ouais, c'est vrai. À l'échelle du déplacement qu'ils ont, c'est tes premiers voisins, ils sont à 45 jours de chez toi, quoi. Peut-être pas, mais... Bon, quoique. Je sais plus combien met Tyrion pour remonter jusqu'au mur, mais ça lui prend un petit moment. Très bien.
Eh ben, on va rajouter un point religion à ce thème société, vu qu'en fait, on a abordé vaguement le sujet à un moment, je sais plus quand. Et donc, d'un point de vue religion, alors, est-ce qu'il y a un endroit où vous voudriez habiter ? À Braavos, au moins, comme ça, t'es tranquille, t'as une certaine liberté de choix. Ouais, bon, on m'a dit interdit au-delà du mur, au-delà des trois, sinon... Non, oui, parce qu'après, sinon, les îles d'été, c'est encore mieux au niveau religion. Ouais. Après, globalement, l'ensemble de Westeros, c'est assez ouvert, finalement, niveau religion. Bon, c'est pas la panacée non plus, on est bien d'accord, mais t'as l'air de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux entre les anciens et les nouveaux. Bon, alors, ça n'est pas encore trop rentré dans les mœurs, mais bon, après, si, t'as pas Réal à la limite, où là, t'as un petit peu de tout. T'as Tauros de Myr pour Rhlor, si t'as envie t'amuser avec des épées en feu, t'as le grand sceptre de Baelor si tu veux prier les sept, et t'as rapidement un espèce de bois sacré tout moisi au sein du donjon rouge, donc à la limite pourquoi pas. Si, moi il y a peut-être un coin où je pourrais trouver ça intéressant, si on est toujours sur l'idée du critère de la tolérance religieuse, c'est chez les Manderly. Parce que les Manderly, eux, ils suivent la religion des sept, mais par contre, autour d'eux, ils sont entourés de Nordiens qui, eux, continuent à prier les anciens dieux. Donc, il doit y avoir une certaine forme de tolérance religieuse, j'imagine, du côté de Blanport, et ça peut être cool. J'allais dire Blanport aussi, je suis d'accord. Après, regarde, honnêtement, Winterfell, t'as Ned qui fait construire un sanctuaire juste parce que sa femme a envie de prier les sept plutôt que de se convertir aux anciens dieux, donc... Globalement, à moins de tomber sur quelqu'un de vraiment fanatisé et de vraiment bouché, mais c'est de faire. Normalement, ça se passe plutôt bien, quoi. Bah, dans l'ensemble, à Westeros, ça se passe bien. Mais c'est vrai que les Manderly, t'as une chance qu'ils soient plus ouverts en cas de conflit, parce qu'ils ont vécu ça, ils sont arrivés. Partout ailleurs, ça se passe bien, mais c'est tant que ça se passe bien, tant qu'il n'y a pas de problème, quoi. Dès que la question va se poser, tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Et d'ailleurs, la question va pas tarder à se poser quand Stannis va venir dire bonjour. On a vu déjà ce que ça donnait au mur. En parlant de tolérance religieuse, Stannis. Donc, Blanport sur la religion. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos petites catégories. Au final, si vous voulez savoir l'endroit qui va se dégager, ça va être le bif, a priori, avec trois critères seulement qui sont pour le bif, mais ça a fait quand même une majorité. Parce qu'après, on a Grisot et Dorne qui sont égalité second avec deux critères. Ah non, et le Valdarine aussi, deux critères. Et après, que des challengers à un seul critère. Donc, à tous les gens qui nous écoutent, vous avez comme ça plein de choix. Plein d'endroits où vous pouvez décider d'aller habiter si un jour vous êtes perdu à Westeros, en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Avec tout ça, j'espère que vous saurez où aller. N'hésitez surtout pas à commenter ou à sur le forum nous dire s'il y a d'autres endroits qui vous semblent mieux répondre aux critères ou même s'il y a d'autres critères qu'il fallait absolument prendre en compte et qu'on a oublié. Merci à tous les trois pour cette conversation. Et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés déjà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir encore une fois discuter sur le forum, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce sur quoi vous êtes pas d'accord. On est toujours prêt à débattre pendant des heures, surtout Eriden. Et merci également à Shao Rankun qui nous fait le montage de cette émission. C'est un peu son baptême du feu du montage, donc merci beaucoup pour ça. Mais de rien. Et on vous dit à très vite ou à un peu moins vite. On ne sait pas encore quand ça sera la prochaine émission, on ne sait pas encore sur quoi ça sera, mais elle devrait exister. Et c'est déjà pas mal. Voilà, merci tout le monde, au revoir, à bientôt. Au revoir les gens. Salut tout le monde, au revoir, à la prochaine. Au revoir.